Si l'économie de marché est devenue prédominante dans nos sociétés, il n'en reste pas moins que nous utilisons tous les jours plusieurs formes économiques dans la conduite de nos relations. Il est possible de les classifier en deux catégories, les économies d'hierarchie et les économies horizontales. Les économies d'hierarchie suggèrent une domination dans les interactions entre les êtres humains. On y retrouve l'économie de marché et sa monnaie qui endette, ou encore l'économie collaborative qui utilise le même outil de mesure. Il existe aussi l'économie du crédit mutuel, qui offre à tous les participants la possibilité de prêter un bien ou un service lorsqu'on leur demande, et qui leur sera rendu ultérieurement sous la même forme ou une autre par l'emprunteur. Dans les économies horizontales, il y a l'économie du don contre don et l'économie contributive, précédemment décrite, mais aussi l'économie du don ou de la grâce, qui consiste à offrir quelque chose sans contrepartie particulière. Les monnaies libres, définies par la théorie relative de la monnaie, proposent une solution technique pour mesurer les interactions entre les êtres humains lorsque cela est nécessaire, indépendamment des économies que nous choisissons. Mais elles innovent aussi une nouvelle forme économique qu'il serait possible de qualifier de distribuée. Elles offrent en effet un outil de mesure neutre et symétrique qui permet à chaque être humain, personnellement ou collectivement, de valoriser ce qui pour lui ou pour eux est valeur économique. Les monnaies libres nous octroient le choix des systèmes économiques ou plus spécifiquement, elles libèrent les relations humaines que nous voudrions. Alors, quelles pourraient être les applications des monnaies libres dans la vie courante? Voici Lae. Lae a trois enfants, Juju, Zozo et Doudou. Lae travaille dans une école mais son emploi l'ennuie. Elle passe ses journées à faire du découpage et du découpage et du découpage. Elle compense le manque de moyens de l'école au prix de son cœur de métier, l'accompagnement des enfants en milieu scolaire. Lae a une passion, faire plaisir. Et comme elle est douée pour faire toutes sortes de pâtisseries et d'entremets, elle passe une partie de son temps libre à imaginer et concocter des gourmandises au grand bonheur de ses enfants, Juju, Zozo et Doudou. Lae a entendu parler des monnaies libres à la sortie de l'école. Elle s'est renseignée et sait que dans sa ville, il existe une monnaie libre appelée le petit sou, et que cette monnaie promeut la consommation en circuit court. Elle décide de s'y inscrire ainsi que ses enfants, Juju, Zozo et Doudou. Pour ce faire, elle se saisit de son ordinateur. Elle doit passer la toile de confiance, une formalité qui atteste qu'elle et ses enfants sont bien vivants, en chair et en os, que ce ne sont pas des machines. Par la confirmation d'autres utilisateurs de petit sou, elle intègre le réseau. Lae et ses enfants deviennent ainsi des co-créateurs de petit sou. Chacun possède un portefeuille qui sera géré pour le moment par Lae, la maman. Ses portefeuilles ou ses comptes s'approvisionnent tout seuls puisque le petit sou est une monnaie libre. La masse monétaire augmente d'autant de parts que d'individus de la famille de Lae. Soit 4 personnes, dont 4 parts co-créées qui seront co-distribuées dans les portefeuilles de Lae, Juju, Zozo et Doudou, tous les mois. Lae, qui a envie d'utiliser cette nouvelle monnaie, se rend donc chez un commerçant qui accepte le petit sou. Celui-ci, fidèle à la charte promue par cette monnaie libre, propose des produits alimentaires issus strictement de circuits courts en coopérative de production et de distribution. Les prix sont affichés non pas en unité de compte, mais en relatif, de la même façon qu'un kilo de tomate vaut 3 euros. Chez son commerçant, Lae découvre le prix des céréales exprimé en dividende universel, c'est-à-dire en part de ce que chaque membre du réseau de petits sous perçoit. Ainsi, avec ce prix affiché en relatif, Lae pourra constater l'évolution précise du prix des céréales dans le temps, puisque celui-ci est invariant de la monnaie, car indexé sur le dividende universel qu'elle-même perçoit. Le commerçant, Jean-Jean, doit reverser à l'État la part correspondante de TVA. Il doit également s'acquitter de divers impôts. Il pouvait choisir de faire payer la TVA et la part d'impôt correspondante par ses clients en euros, devise officielle. Mais Jean-Jean a décidé de laisser l'administration décider de la valeur fiscale du petit sou, qui est un actif comptable. L'administration déterminera une valeur à l'actif et elle demandera à Jean-Jean de lui rétrocéder la part de TVA et d'impôt correspondante. Lae ne peut se passer de l'euro, pas encore. Elle doit payer les traites de son crédit pour la maison qu'elle a achetée. Même s'il est trop tôt pour définir avec exactitude les modalités de change entre les devises officielles et les monnaies libres, il est très probable que cela puisse se faire. Du fait que un bien ou un service peut s'échanger contre de l'euro, une monnaie locale complémentaire, un autre bien ou service, une promesse de remboursement et bien sûr une monnaie libre. Cela sous-tend les potentiels de conversion dans telle ou telle valeur de change, selon la volonté, la confiance réciproque des hommes et les référentiels qu'ils adoptent. Ainsi, par l'interchangeabilité des monnaies, Lae se libérera de l'usage de monnaie dette et ainsi de la contrainte d'un travail marchand. Comme son truc à Lae, c'est de faire plaisir, et qu'elle est douée en pâtisserie. Elle se dit qu'il y a certainement quelque chose à faire. Vendre des pâtisseries, c'est ce qu'elle choisirait de faire si elle devait chercher des revenus. Mais comme elle perçoit une part de dividendes mensuels, elle peut définir d'autres perspectives à son projet. Ainsi,
Laë veut faire des pâtisseries sans pour autant mettre de côté ce qui lui plaît avec les enfants. Partager le savoir. Laë va pouvoir créer son propre laboratoire de pâtisserie où elle animera des ateliers découvertes. Au bout d'un certain temps, Laë a développé une petite communauté autour de ses créations et de ses ateliers. Elle partage des recettes et parfois en modifie quelques-unes pour les améliorer. Avec des amis, elle se dit qu'il pourrait créer une monnaie libre pour encourager le savoir-faire culinaire auprès des familles. Elle participe donc à déterminer un projet de monnaie qui valorisera à la fois le savoir et le partage autour de la cuisine et de la pâtisserie, en mesurant les échanges. Utiliser cette monnaie promouvera la pratique et le savoir-faire de la cuisine à la maison. À l'aide du logiciel d'Unitaire et ses amis, elle définit les caractéristiques de cette nouvelle monnaie qu'elle crée. Monnaie cuisine. Les protocoles informatiques étant indiqués sur plusieurs tutoriels, créer cette monnaie n'est qu'une simple formalité. Tout en conduisant ses ateliers de pâtisserie, elle développe un réseau et trouve des partenaires qui acceptent de mesurer les échanges autour de la pratique et du savoir-faire culinaire à la maison. C'est ce réseau qui constitue la force de la monnaie, en la faisant exister pour un temps. En se promenant sur Internet, Laë découvre un projet collectif dans un village de sa région. Il s'agit de la construction d'un four à pain à usage partagé, pour promouvoir l'économie low-tech. Une économie privilégiant l'usage et la durabilité des choses dans une forme de propriété partagée. Le projet est porté par un collectif qui propose de co-investir en monnaie libre. Comme Laë dispose de plusieurs comptes en monnaie libre, elle décide de participer et offre une partie de son dividende universel en monnaie cuisine à ce projet. Lorsque le four sera construit, elle se rendra auprès de ce collectif faire de nouvelles rencontres. Dans le cadre de ses ateliers, Laë a besoin d'un nouveau robot. C'est un achat important qu'elle ne peut s'offrir en le payant en une seule fois. Comme tous les mois elle reçoit un dividende universel, il lui est possible de faire cet achat en contractant un crédit directement auprès d'un vendeur de robots. C'est un crédit vendeur dont le montant et la durée sont négociés de gré à gré entre l'acheteur et le commerçant. L'acheteur peut ainsi s'offrir ponctuellement des achats importants en cédant une part de son dividende universel tous les mois. Le commerçant, lui, profite dans le temps d'une part de dividende universel indexée chaque mois sur la masse monétaire. Ainsi, l'étalonnement de la valeur du bien qu'il cède est relatif, c'est-à-dire que sa valeur exprimée en monnaie libre suit l'évolution de la masse monétaire totale durant toute la durée du crédit vendeur. Pour exemple, aujourd'hui, si un commerçant automobile vend une voiture 20 000 euros intérêt compris en crédit vendeur, que les traites mensuelles sont de 416 euros sur 48 mois, si la masse monétaire de l'euro augmente en même temps de 10% par an, les 416 euros d'aujourd'hui ne valent plus 416 euros dans 12 mois, mais bien 10% de moins. Le commerçant est donc gagnant d'effectuer des crédits vendeurs pour écouler ses produits en dividendes universels. Les perspectives pour Laë, Juju, Zozo et Doudou, ou pour nous tous, sont encore nombreuses à dessiner, puisque les monnaies libres sont des potentiels positifs du développement de nos sociétés, qui ne demandent rien d'autre que de s'en saisir. Elles peuvent être utilisées pour tous les usages que nous imaginerions dans la conduite et le développement des relations humaines. Faire le choix de la monnaie libre, c'est décider d'agir sans attendre personne ni institution. Les monnaies libres sont les potentiels de demain, un outil émancipateur qui place l'homme au cœur de l'économie. Elles laissent entrevoir des perspectives positives, emplies de sens que chacun d'entre nous peut enfin proposer. Elles rendent obsolète un système monétaire et un monde économique bâti sur la loi du plus fort et de l'arbitraire. Les monnaies libres nous offrent du temps. Elles placent les relations humaines dans un esprit de confiance, permettant de se demander ce qu'il est possible de faire ensemble en mesurant les échanges que nous souhaiterions observer et faire exister. Les monnaies libres sont la décision de vivre libre, en sensant l'avenir déjà aujourd'hui.